Dans la PAC est une division de Cascade. Elle est spécialisée dans la fabrication de produits d'emballage, principalement faits de fibres recyclées, pour différents secteurs, dont le secteur alimentaire, par exemple. Une des étapes importantes de la fabrication d'une boîte est l'impression de la boîte. L'impression de la boîte se fait par un système de lithographie. Donc, le système de graphie consiste à brûler des plaques pour être capable de se servir de ces mêmes plaques pour imprimer ensuite sur la presse l'impression. On a fait l'acquisition d'une nouvelle presse qui était de dimension très imposante. Et les pressiers devaient acheminer la plaque d'impression qui sert à imprimer la boîte sur la machine, sur l'équipement. Et évidemment, il y avait beaucoup de marches à monter, descendre, avec un point important à tenir à bout de bras. C'était le risque. Donc, quand on imprime une boîte avec 5 couleurs, donc le travailleur avait à monter les marches avec 5 plaques d'impression, totalisant 35 livres. Problème potentiel de mal de dos ainsi que de chute. Fait que avant qu'il arrive un accident, il fallait trouver une solution. Un de bons travailleurs, Pascal, qui est pressé sur notre presse à imprimer, a eu une bonne idée de coucher sur papier le projet de table élévatrice ou d'élévateur pour être capable de ne plus transporter les plaques dans les marches d'escalier. On rencontre le comité santé sécurité à tous les mois. Je leur ai soumis mon plan. Et ils ont trouvé que l'idée était bonne. Il fallait juste voir les possibilités dans l'usine, si c'était adéquat. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que notre chef mécanicien a utilisé toutes les pièces qu'on avait sur tablette, donc tous des produits recyclés, si on peut dire. Et ce projet-là a coûté à peine 1 000 $. J'ai fabriqué un système de bogey qui est adapté sur la colonne, d'où une partie de la tâche est fixée. L'autre partie de la tâche est fixée après la boîte qui contient les plaques. J'ai modifié la passerelle en haut en faisant un petit step, si on peut dire, avec garde de corps et serrure électrique de sécurité. Ce qui fait que quand le monte-plaque est à sa place en haut et que tous les capteurs ont détecté le bon emplacement, la porte peut ouvrir et l'employé peut tirer les plaques pour les distribuer sur la machine. On a éliminé le risque complètement depuis qu'on a installé l'élévateur. Plus aucun employé a à transporter les plaques dans les escaliers comme auparavant. Le concept qui a été intégré par la maintenance fait en sorte que dans n'importe quelle usine, dans n'importe où, il y a des colonnes dans l'acier, ce qui veut dire que l'attelage pourrait être n'importe où ou servir à n'importe quelle autre tâche. C'est vraiment adéquat. Participer au Grand Prix Santé et Sécurité au travail a permis aux employés de développer une grande fierté au niveau de la réalisation du projet. La santé et sécurité, moi, je vois ça comme un virus. Tu contamines tout le monde. Tout le monde pogne la grippe. Tout le monde pogne un peu le virus de la santé et sécurité. Ça veut dire que plus il y a de gens contaminés, plus on se sécurise entre nous. C'est un mauvais rhume, mais qui est bénéfique pour tout le monde.